Hey, 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 kiki mes petits culs et bienvenue pour ce nouvel épisode de Crooks The Big Heist en version challenge, bien sûr. On avait fait la dernière fois sport de voleur que j'avais donc enfin réussi, hein, bah non sans mal. Voilà, mais déjà 4 sur 5 les challenges. Oh 6 étoiles? Mais non. Oh, mais il y a des trucs, ça va être horrible, hein. Mais les challenges, ils sont fous, hein. Bon, bah alors de l'art de la cambriole. Voler la pierre de lune et rejoignez la sortie. Difficulté du challenge 4 sur 5. Voleur imposé Cléopatra, Rufus, Roquette, Robomatique 2000. Garde plus dangereux, limite de temps 30 minutes. Oh, mon dieu. Limite de danger incognito. Porte interrupteur sans suspect. Donc ça, c'est toujours les portes qui sont ouvertes, hein. Ils s'excitent et tout. Trésor à trouver, 12. 30 minutes, mais là, je vais pas le faire en une fois, hein, les gens. Je vous le dis direct, hein. Je vais pas le faire en une fois. Bon, ben, on va lancer le challenge et je vais voir de quoi il s'agit, tout ça, pour savoir si... Ben, voilà, tout simplement, de ce dont il s'agit. Les pièges, tout ça, tout ça, tout ça. Alors... Ça va, il est pas du tout grand le truc, hein? Bâtiment principal. Alors nous, on a déjà des trucs. On peut pas les... Voilà, donc de toute façon, on a que l'équipe comme ça. Est-ce que... tu as validé... montre les jeux, tarantule, tu n'as pas encore le bois constructeur. D'accord. Il a la force brute, passe-muraille, étourdissement. Et poche spacieuse, donc elle a un item de plus. Effectivement, toi, tu as quoi? La distorsion visuelle, les lasers, non, les caméras, pardon, et seulement les pneus. Et j'ai... Ouais, bah c'est déjà l'essentiel. Ok, très bien. Bon, bah écoutez, on va jouer le challenge, hein, directement. On va lancer, de toute façon, je peux pas les équiper moi-même. On va surtout mettre aussi les infos sur les gardes. Ah! Mais non! Il y a un gap qui vient là où on est. Ah, c'est chaud, ça. Ça commence très très bien, dis donc. Et il s'en va... dans les toilettes. Mais il va juste... Genre ici, en fait, on peut aller... Oh, tiens, il y a des trucs assez... un peu... ok, bah... Attendez, j'en ai que... 3. Il est où, lui? Toi, t'es là. Tu sors de ta boîte. Je peux te contrôler? Oui, je peux le contrôler. Bah lui il va mettre utile. Mais je crois qu'il est... Ouais, en fait avant il pouvait être, ne pas être visible des gardes. Mais là il est visible des gardes, en fait. C'est ça, en fait. Je peux passer là, mais je peux pas... Ah, ça me rappelle un petit peu. Oui, de toute façon c'est toujours des missions où on a déjà été. Donc mais là là, il faut que je me pose, les enfants, pour savoir où je commence, parce que on arrive comme ça, on débarque. À la one again, je me souviens plus de la map. Mais oui, j'avais été coincée là, en plus, je me souviens, c'était un peu l'angoisse. Bon, bah, c'était super. Ça promet déjà pour ce challenge-là, mais bon, tout va bien. Bon, bah, je vais checker, moi, de quoi il en retourne, par quoi je vais commencer, et puis je vous retrouve juste après. Alors, première chose que je vais faire avec mes petits cambrioleurs du chéri d'amour... c'est d'aller ici dans les toilettes. Bah, tout coup, c'est des toilettes pour dames, hein, si j'ose dire. Parce que là, vu qu'il y a des urinoirs, je pense que c'est pour hommes. Donc, direction les toilettes pour dames, pour se réfugier, vu qu'en plus, le mec n'ira pas. Roquette pourra passer ici, défaire les caméras, choper la clé. Elle pourra aussi aller jusque ici, mais je sais pas si elle va y arriver. Il est lent et faible. Je pense que c'est Cléopatra qui devrait plus s'en occuper, mais on pourra peut-être pas... pourra peut-être pas, hein? J'y saute comme ça. Et ces trucs-là, ils se défont ici. Sauf que pour aller ici... Et puis c'est un interrupteur lourd, donc ça veut dire que c'est lui qu'il faut qu'il y aille. Ok, très bien. Bon, bah on va commencer. Malgré le timing qui commence... Ok, vous pouvez sortir, s'il vous plaît. Tous les trois. Voilà, ça va barder. Il
Oh là là, mais attendez, il y a lui qui arrive aussi. Hein. Tac. Bah maintenant, tu suis mes flèches. Bon. Voilà, normalement, c'est bon. Du potiron. Toi, tu viendras faire ça et choper ça. Ah! Et je m'ai dit pendant ce temps la Bishop, mais Bishop n'est pas là. Mon Dieu, ça va tellement me manquer, ce Bishop. Bishop et Lobkowitz, quoi, ceux qui sont les plus utiles au monde. Ça me tue, moi je vous le dis. Voilà. On a déjà défait une caméra. Ça, c'est cool. Est-ce que c'est utile? Il y a encore une. Ouais. Ouais. Est-ce que c'est utile? Voire très très utile. Porte de sécurité. Ouais. Ouais. J'ai deux façons d'entrer dans cette salle, c'est casser ici ou passer par là. Écoutez, hein. Là, c'est une clé de coffre-fort. Je vais pas oser parce qu'elle va se faire choper. Est-ce que j'utilise pas mon Vatu? Non, je vais envoyer lui après ici. Donc c'est pas un souci. Et en plus, il a une clé. Donc il faudrait que je les envoie là. Bah, de toute façon, c'est le but. Le but. J'ouvre là au cas où. On va attendre que lui, bien sûr, reparte. Vu qu'il va aller ici. Donc. Une fois qu'il sera passé devant la porte, on ira. Ce sera la fête. Allez, estafette. Go, mes petits! Go, mes petits choupinous! Toi, si tu casses, il y a un. Je crois qu'il y a un truc. Hein. Il y a une onde, je veux dire. Oh oui, je sais que tu es très souple. Ça fait que j'ai peut-être pas besoin de la faire passer, elle. C'est déjà la sortie ici. Allez, on y va. Il y a quand même peut-être pas bon, non, volet. Attends, tu vas venir là, tu vas choper ça, tu vas casser ça. C'est déjà pas mal. Est-ce que j'envoie les autres? Alors? Toi, je t'envoie. Je sais pas, je me dis roquette, ça sert peut-être à rien. Mais tout ton temps, hein, Rufus. Ouais, c'est bon. Est-ce qu'il faut le temps qu'il se barre aussi, hein? Donc, tu vas défaire ça et tu y reviens te planquer là. Et t'as pris une clé de coffre? Ah. Je sais pas s'ils vont voir le temps. Après, il va là. Ou là. Ouais. Elle est déjà là, hein. Rufus. C'est bon. Ok, c'est bon. On a désactivé les caméras, on a pris le coffre, on n'a juste pas ouvert ici. C'est déjà pas mal. Mais après, la map, elle est tellement grande, je sais plus en fait. Ce serait sympa d'aller là. Toi, t'as deux clés, mais ça, pareil, tu pourras pas le faire.
Mais il y a une fourte-tesse là. Tu vas venir et tu vas choper la fourche, s'il te plaît. Surtout, prends tout ton temps, mon coco. Normalement, c'est bon, même il est tellement loin qu'il pourra pas le voir. Ouais, c'est nickel. Mais il va y avoir du bruit. Merde! Oh non. Oh! Ah non, comment je me suis fait eu. De toute façon, c'est toujours les fails, c'est toujours quelque chose, hein. Mais où il me save ce jeu, sérieusement? Bon, ok, prends. Mais c'est mort, hein. Il peut... Oui, bah, tu vas l'assommer. Ok. Du coup, je vais en profiter. Tu vas venir là. C'est l'occasion. Hein. Et lui, on va l'assommer. Parce que je suis arrivée de face. Oui, bah écoutez, de toute façon, il allait me niquer, hein. Voilà. Et maintenant. Regarde, il prépare ses points. Il va dire, oh toi, tu vas t'en prendre une, mon coco. Je suis collée à mon écran. Hey. Mais non. C'est la merde. C'est la merde. C'est la merde. C'est la merde, c'est la merde, c'est la merde. Ah oui, c'est la merde, oui. Oh, 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 oh. Peut-être qu'il faut que je fasse... voilà. Oui, c'est bon. Prêt à en découdre. Ok, je vais remettre... Good, tu vas pouvoir revenir là. Mais oui, Nathan, toi. Prends l'argent! Quelle folie! Attends, tu vas pas aller là. Parce qu'après, sinon, il est coinsos. Quoi que ça nous ouvre après ici. Oh. Ah ouais, mais bon, là. Là, il y a plein de trucs, mais c'est très. Voilà, il y a plein de machins. On a déjà récupéré une fourche Tesla, c'est déjà pas mal, vu qu'on a pas l'Obcovit! Eh bah écoute, tu vas sortir. Viens par ton bruit. En attendant que lui... Il passe aussi, quoi. Et les voilà, tous les trois réunis. Magnifique. Donc on a cambriolé un peu, déjà deux parties, trois parties. Bon, c'est déjà bien. C'est déjà pas mal. Où est-ce que je dois aller après? Nous devons aller là, de toute façon. Bon, je pense que je vais vraiment m'occuper du petit robot. Qui, pour l'instant, ne peut pas aller là, mais... qui pourra désactiver certaines choses, déjà, donc dans son coin. Donc, je pense que ça peut être très intéressant pour lui. Porte d'acier. Mais oui. Clé porte d'acier. Oh ouais, il peut faire beaucoup de choses dans son coin. Oh, un coffre-fort. Il peut faire beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Ça, c'est... Coffre-fort et puis il est une porte d'acier. Donc, c'est pas forcément pour ça. Ah, ça, c'est chiant parce que... Porte d'acier. Porte de sécurité. Quel coffre-fort. Clé de coffre. Oh, il me faut des trucs pour clé... Clé de coffre-fort. Bah voilà, porte d'acier. Ouais, bah voilà. Ce sera déjà pas mal, un peu, non? ok. Sauf que là, pour l'instant, lui, il va revenir.
Donc peut-être qu'il faut que je m'occupe quand même des... Parce que le temps est compté, il vous reste 27 minutes, vous allez me dire, je suis large, mais... Je voulais emmener mes gars par là. Genre là, pour rejoindre en fait et faire ce que... Voilà. Mais il y a une barrière là, donc ça veut dire qu'ils seront obligés de passer par là. De toute façon, lui, il va revenir. Donc je vais les faire avancer. Déjà, tu peux venir là. Toi ici. C'est quand vous voulez. Toi là. Voilà, comme ça, vous êtes tout près de la porte. Vous pourrez agir. Parce que lui, il avait une heure qu'il est dans cette pièce. Hein. Et son dernier spot, c'est là. Lui, il est en train de se réveiller. Ok. Lui, dès qu'il s'en va, je vais les faire partir. Normalement, c'est bon. Mais bon, lui, il va arriver aussi. Donc, c'est chiant. Je voudrais vraiment qu'il soit dans le dos de ce mec-là. Et lui, dès qu'il part dans l'autre sens, je fais sortir le robot. Donc, je suis sur plusieurs fronts en même temps, vous voyez. Donc, ils sont ici. Mais j'ai raté le coche, là. Non, c'est bon, ils ont le temps. Ils ont le temps, surtout une. Oui. Hop. Ouais. C'est pas grave. Oh. Ah, c'est lui. Ah, et puis il y a lui aussi. J'avais pas vu. Coureuse parée. Attendez, il y a deux mecs? Ah, lui, il fait que... Je pensais qu'il y avait un mec qui faisait le truc, en fait, là. Mais il y en a un qui est statique et l'autre, il bouge. D'accord, ma merde, alors j'avais pas vu. C'est pas bien. Ça m'empêche de faire ce que je voulais. Pendant que Nono, le robot, lui, va sortir de son trou. Il va faire ça, déjà. Ce sera déjà pas mal. Juste le temps d'arriver, mais... Oh là là. Ils vont se faire choper, hein. Ils vont se faire grave choper, en fait. Parce que là, il a un tour de garde assez rapide et il va forcément regarder par là. Et il va les voir. Donc planquez-vous. Ça va barder. Oui. Ah mais tu... Je veux cliquer, oui. Hein, bon sang. Ils vont se faire choper aussi, mais c'est pas vrai. Oh, mais il y a des gardes de ouf. C'est pas vrai. Quoi? Qui c'est qui est quoi? Qui c'est qui s'est alerté? Attendez, il faut que je regarde les loupes. À part lui, le Robax, pour l'instant, il sort de son trou. Il a pas fait grand chose. Hein. Moi, je m'inquiète, c'est eux parce qu'ils sont tous les trois là et c'est la merde. Ok. It is time. On y va. It is time. Alors pourquoi je l'ai fallé là-bas? Salut. J'ai envie de dire pourquoi pas. Et maintenant. Mais pareil, il y a un mec qui va les voir là. Ah mais j'en peux plus. C'est hard. Oh, ils sont hard les challenges. Franchement, je trouve que c'est beaucoup plus compliqué que... Que les missions normales, quoi. Alors, robot. Robot, Robex. Quand tu es beau, tu es... alors, ok, il y a lui. Parce que... Il y a une caméra. Parce que là, il faudrait que le robot, il aille là, en fait. Il va choper les sous, il va faire ça, il va faire ça, il va faire ça. Mais je sais pas s'il peut faire tout ça, en fait, vous voyez. Tu vas te mettre là. Parce qu'il y a lui, en fait. C'est chiant. C'est très chiant. Vous allez voir.
Mais là, je suis dans la merde avec eux. Parce que là, t'as le gars, il arrive, il va les voir. Donc, si je les fais avancer, il les verra pas. Mais le risque, c'est que celui-là... Tout ça pour les faire aller où, en fait? Parce que sinon, je les fais tourner indéfiniment. Elle, je pensais la faire venir ici. Tout simplement pour activer ça. Mais ça me paraît tellement compliqué, là. Je pense que j'ai fait un bad move. Un très bad move. Mais j'avais pas vu ça. Qu'elle puisse passer directement ici. Là, il y a un truc à désactiver, c'est ça, d'accord. En les mettant là, je les planquerai. Ils pourraient aller ici. C'est relativement safe si je les fous ici, par exemple. Cette justesse. Ils sont pas safe pour autant. Hein. Je vais essayer de faire aller là. Bon, c'est pas très compliqué. Juste pour faire ça, mais comme ça, moi, j'aurai le passage libre. Ah. Et je pourrais rentrer là. La fourchette là. Et lui, il en a une. Donc, ok. Ok, bon, on va essayer de faire ça, alors. Toi, t'en es où? Il est toujours là-dedans, lui? Ah ouais, mais j'aurais peut-être dû le faire... Vas-y, bah rentre. Mais non, je suis con! T'as le gars, là? J'ai oublié qu'il était pas visible, mon dieu. J'avais pas vu non plus qu'il était là, le gars. C'est incroyable, c'est incroyable, je m'en sors pas. Il se passe trop de choses. Ils sont où les autres là? Ah, ils sont là. Pendant que son tour de garde à lui n'est pas fini. C'est bon, il s'en va. Ok. Donc interrupteur à bascule. Alors bah. Oh là là, et lui il regarde et tout. Voilà, c'est tout juste Auguste. Tu vas pouvoir défaire ça. Il faudrait qu'il y en ait un qui reste là, mais surtout. Il est où? Là, lui, il est là, ça va. Faudrait que... Toi, Cocotte, tu vas venir te planquer. En fait, tu viens là. Non, mais je rêve. Qu'est-ce qui se passe? Et lui, il est toujours là-dedans. Alors, je sais pas qui c'est qui s'énerve, mais lui, qu'est-ce qu'il fait? Mais lui, il va passer sa vie à checker ce qui se passe là. Je sais pas, qui c'est qui s'est inquiété? Est-ce que c'est avec le Robax? Non, pas plus que ça. Non. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Et lui, je le prépare pour rentrer à l'intérieur. Une petite seconde. Ah, c'est lui ? Merde ! S'excitait pour une porte ouverte et qu'il était juste là. Il y a tellement trop d'informations. Non mais le jeu Random Save, là où c'est pas possible de changer quoi que ce soit à mon destin. C'est pas possible. Alors, on va charger ça. Non mais il est rigolo le jeu, il me save toujours à des endroits pas possibles, enfin à des moments pas possibles quoi. Des moments de merde. C'est pas cool hein. 26 minutes. Ouais.
Ok. C'est quand vous voulez. Ah, les gardes, les infos, parce que là j'en ai vraiment besoin. Faire 100. En fait, ce qui serait un challenge, c'est de ne vraiment pas avoir les infos sur les gardes. Là, ce serait impossible. Ok. Donc, salut. vous allez passer là. Coureuse parée. Elle devait passer par là, mais elle est passée de l'autre côté. On est d'accord, tout va bien. Le Robax. Munez. Pendant ce temps-là. Ok, tu peux aller là. Tu désactiveras ça. Tu prendras les sous et tu feras ça. Mais oui. Ah, il peut pas. Parce qu'il a pas le lubrifiant. Très bien. Ah bah c'est pas grave. Et ça aussi j'imagine, ouais. D'accord, super. Tu sers un peu à rien, mais bon, c'est pas grave, on t'aime bien quand même, le machin. Pendant ce temps-là, vraiment qu'il quitte son poste, il les verra pas au milieu, de toute façon. Tadatam ! Ouais, toi que tu te mettes là. Ok. Oui ? Ah oui, pardon, excusez-moi. Tu vas prendre les sous. Ensuite, tu vas faire la fourche Tesla. Pourquoi ça tombe sur moi ? Je vois toujours pas qui c'est qui s'excite. C'est lui encore ? Mais c'est une blague. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Et lui, pareil, hein, il reste bloqué dans cette pièce-là, je comprends pas. C'est pas grave. Ça, c'est un timer pour garder les trucs ouverts, on est d'accord. Lui, il verra pas avant là. Donc, tu vas faire ça, ensuite tu vas faire ça. Tu vas ouvrir... Tu vas venir là. Sauf que là, s'il se met là... Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Mais l'autre, il va venir, il va forcément... Enfin, je peux pas partir par là, en fait. Donc... Ma seule échappatoire, c'est d'aller là en espérant que le mec, il aille pas par là, quoi. C'est pas possible. L'autre, il les voit, mais j'en peux plus. Il va le voir, genre... Oh la vache. Et là, il est coinceaux, quoi. Mais il va venir là et là, donc. Et de ce coin ici, on peut rien faire d'autre. Les filles, elles sont là, mais on peut pas aller dans une autre pièce, quoi. Je regarde. L'autre, il est toujours là-dedans. Je comprends, je sais pas, je comprends pas son... Son truc. En fait, il doit faire une fois là, là. Ça veut dire qu'après il est là et après il revient. Je pense que lui, il est indéfiniment dans le. Dès qu'il vient ici, je sais pas, il est excité, il voit ça, il comprend pas et il regarde. Il retournera jamais ici. Bon. Là, pour l'instant, il est coincé. Il ouvrira la porte après. Ou alors, elle le libérera, Cléopâtre.
Mais qu'est-ce que j'en fais après des filles? Je les fais aller où? Ce qui serait intéressant, c'est de revenir ici. Attendez, je suis paumée, moi. Ils sont où les autres là? Parce que la map, elle est tellement grande. Ah, ils sont là et le robot, il est dans ce coin-là. Là. Ok. Bah, en vrai. Non, mais en fait, on est à côté. Faut juste désactiver ce truc-là. Il faut aller là, dans un interrupteur. Et pour aller là, il faut rentrer ici. Là. Ouais, super. C'est super logique! Il nous faudrait un destructeur, mais on n'en a pas. Nous n'en avons point. Nous n'en avons point du tout. Je suis paumée! Je vous le dis, hein, là c'est. C'est complexe. Bon, j'en reviens à Rufus. Je vais le mettre en safe. Je vais attendre que le tour de garde de ce mec se finisse. Voilà. Il va ouvrir la porte. Il va se mettre en sécurité derrière. En plus, c'était grand n'importe quoi. Voilà, il est en safety. Que dire, que faire, je ne sais point. Elles sont tranquilles, hein, logiquement. Sauf quand il reviendra, il les verra peut-être, ouais. Mais ouais, mais là, il n'y a pas trop d'échappatoire, en fait, hein, parce que. Ça se déroule dans des pièces qui sont déjà fermées. Pour y accéder, c'est compliqué. Se croirait pas, mais pas mal de choses complexes à faire. Terminal de caméra. C'est-à-dire que là, bon ben, il peut re rester là, mais il pourra pas éternellement, quoi. Je peux pas faire rejoindre les filles non plus. Donc, de toute façon, c'est comme ça. Ah, tu vas donc. C'est quand vous voulez. Ouais, bah c'est quand je veux. Vous allez vous foutre toutes les deux là, en sécurité. J'avais une idée pour le Robax, mais bon. En fait, il faudrait qu'il passe. Il y a des blocs portes et tout, c'est juste super intéressant ce qu'il y a ici. Mais il peut pas passer par là. Là, il a même pas la clé. Ouais, il pourrait braquer la porte, mais. En fait, il pourrait passer comme ça. On va aller chercher une fourche Tesla que nous avons là. Mais c'est. Il y a énormément de choses. Tout est bloqué par un truc, qui est bloqué par un truc, qui est bloqué par un truc, qui est bloqué par un truc. Donc, en fait, c'est compliqué. Moi, je pense que je vais arrêter là, en tout cas pour cette première partie de cette mission. Voilà, bah il y a eu pas mal de fails, hein, comme d'habitude, on se remet un peu dans l'ambiance. Et puis, bah, on verra ça la semaine prochaine pour la suite, on verra bien si j'y arrive. Hein. De toute façon, c'est sur 30 minutes, il me reste 25 minutes et 3 secondes pour tout faire. J'avoue que c'est complexe, long, et voilà. Bon, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like comme d'habitude, à vous abonner, à regarder une pub sur YouTube. Je vous fais des très gros bisous, prenez soin de vous, à très bientôt, ciao!